va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mes cadeaux d'anniversaire. Donc je vais vous montrer tous les cadeaux d'anniversaire du thème équitation bien évidemment que j'ai eu. Parce qu'il y a 2 semaines à peu près c'était mon anniversaire. J'ai eu du coup plein de cadeaux et tout. Je suis trop contente. Merci beaucoup d'ailleurs à tous ceux qui m'ont offert des cadeaux. Ça m'a fait vraiment super plaisir. Et ça me fait d'ailleurs toujours plaisir. C'est parti, je commence donc par le premier cadeau. Tapis Kentucky Velvet vert sapin. Donc celui-là, je rêvais vraiment de l'avoir. Je l'avais demandé, c'était pas une surprise, je savais que j'allais l'avoir. C'est mes parents qui me l'ont offert. Je vous mettrai peut-être le lien en barre d'infos de ce tapis si j'ai réussi. Donc voilà, il est vraiment super beau. Je l'ai pris taille Cob. Et je vais vous mettre les photos des 2 chevaux que j'ai montés avec le tapis. Pour l'instant j'en ai monté 2. J'ai monté 2 chevaux B et ça va vraiment super bien aux chevaux B. Je pense que ça va de toute façon à toutes les robes. Surtout aux chevaux noirs, ça peut vraiment faire super beau. Donc voilà, je vais vous le montrer de plus près. Acheté mon tapis Kentucky sur le site Pony Power. Donc voilà, cette vidéo est sponsorisée par aucune marque, mais c'était juste pour vous dire au cas où vous êtes intéressé par le tapis. Mes parents l'ont acheté sur Pony Power, mais vous pouvez également le trouver sur plein d'autres sites d'équitation. On va maintenant passer au deuxième cadeau. Donc le deuxième cadeau, c'est un amortisseur noir comme ceci, qui est vraiment super joli, qui vient de chez Decathlon. Donc ça, je ne m'attendais pas du tout. C'est une de mes meilleures amies qui me l'a offert hier à mon anniversaire, enfin quand je l'ai fêté avec mes amis. Je suis vraiment trop contente, il est trop beau, il y a de la moumoute à l'intérieur et tout. Là il y a une genre de, je pense c'est fait exprès pour le dos du cheval, etc. Je suis vraiment trop contente de l'avoir. En fait je ne m'en avais même pas demandé. J'en ai déjà un, mais il est, en fait c'est le même. Je vous mettrai une photo de lui sur l'écran, de mon autre amortisseur. Mais en fait il est genre bleu, un peu en bleu pas très beau. Sans être méchante avec ceux qui l'ont, je le trouve pas très joli. Et surtout en fait avec mon tapis Kentucky ça va faire vraiment très moche je pense. Du coup, le noir, on va essayer ensemble. Je pense que vraiment le noir avec le vert, on peut voir déjà que, voilà, on voit à peu près. De toute façon, la selle, ça cachera à l'amortisseur, mais ça va très bien quand même. L'amortisseur noir avec mon tapis vert, ça fait vraiment super joli les 2 couleurs ensemble. Il est vraiment trop beau, je suis trop contente de l'avoir eu. Comme je vous l'ai dit, il vient de chez Decathlon. Je vais pareil vous le montrer de plus près pour que vous puissiez voir un peu les détails. Et en fait, j'ai juste oublié de vous préciser qu'il est de la marque Fuganza. Maintenant au troisième cadeau. Donc le troisième cadeau c'est des guêtres de la marque Horse que j'ai acheté, enfin que mes parents ont acheté, ben, pareil sur le site Horse du coup. Donc elles sont trop belles. En fait c'est mes parents qui l'ont acheté et c'est une de mes amies qui les a payées. Mais je suis vraiment trop fan de ces guêtres, elles sont trop jolies. Donc je vais vous les montrer à l'intérieur. Il y a de la moumoute blanche comme ça à l'intérieur. Elles sont trop jolies, j'ai trop hâte de les tester pour le saut. Voilà, je suis trop contente. Moi qui d'habitude en fait je n'aime pas trop tout ce qui est cuir, etc. marron pour l'équitation. Mais là, contrairement à d'habitude mes goûts, vraiment je les trouve super belles. D'habitude j'aime pas les guêtres marron, mais celle-là, j'aime beaucoup ce marron-ci. Parce qu'il y a certains guêtres marron qui ont un marron un peu plus foncé que je n'aime pas. Mais ce marron il est vraiment magnifique. Il est trop joli. Alors en fait je les avais demandé ces guêtres, c'est moi qui les ai choisies donc je savais comment elles étaient. Je les avais demandé parce que les guêtres de mon centre équestre, c'est pas qu'elles sont moches, c'est qu'elles sont plus simples
Et j'avais envie d'en avoir des plus originales. Et en plus, cette couleur, ça va très très bien avec mon tapis Kentucky. Je vais vous montrer les deux couleurs avec mon, enfin les deux couleurs ensemble, quoi. Donc on va tester si ça fait joli. Mais en tout cas, moi je trouve que les deux couleurs, vraiment, ça va aller super bien avec si je fais du saut par exemple, comme ça. C'est magnifique, j'aime beaucoup les deux. On passe maintenant au quatrième cadeau. Donc c'est en sac comme ceci, en sac pour l'équitation du coup, de la marque Fuganza, qui vient de chez Decathlon. Donc il est vraiment trop trop joli. Il est comme ça, bleu avec un peu de rose. Moi qui d'habitude n'aime pas le rose, ce rose c'est le seul rose que je trouve joli. C'est vraiment du rose un peu genre beige, qui est très clair. Là on peut voir qu'il y a un petit détail comme ça, un petit cheval. Alors donc celui-là je l'avais pas demandé, j'avais demandé un sac comme ça parce que pour mettre mon tapis, mon amortisseur, ma bombe et mon gilet de protection, j'avais un sac Carrefour. Donc bon, enfin un sac super, voilà, un sac de course. Donc c'était pas très très joli, du coup j'avais demandé un gros sac comme ça. Je n'en avais pas choisi un en particulier, mes parents ils ont trouvé celui-là et ils m'ont acheté. Enfin c'est pas mes parents, c'est ma mamie qui me l'a acheté. Je vais vous montrer les poches qu'il y a, parce qu'il y a quand même pas mal de poches pour ranger les trucs. Donc ça c'est vraiment très très super, très très cool d'avoir pas mal de poches pour ranger vraiment tout. Alors du coup là je l'ai presque quasiment vidé, mais dedans je mets, au fond je mets mon tapis Kentucky, au-dessus je mets mon jet de protection, encore au-dessus je mets mon amortisseur, et dans mon jet de protection en fait je mets ma bombe pour qu'elle soit protégée, et également ma cravache, j'arrive à caser tout ça. J'arrive également à mettre dedans mes deux licoles, ma longe et mes guêtres. Donc je vais vous montrer tout ça. Du coup là on a une première poche comme ceci sur le devant. Alors en fait celle-ci, les deux poches, je m'en sers pas, je sais pas encore quoi mettre dedans. Bon, je vais pas vous l'ouvrir, c'est pas très intéressant parce qu'il y a rien dedans de toute façon. Il y a une autre poche ici avec un genre de compartiment comme ça dedans. Après les poches sur les côtés, je vais vous les ouvrir. Elles sont vraiment assez spacieuses, regardez comment elles sont grandes. Du coup dedans j'ai mis ma longe noire et mon licol tout simple marron. Et dans la deuxième poche j'ai mis mon licol moumoute noir comme ça avec des strass. Et dedans je mets également mes guêtres, mais là du coup je vous les ai sortis pour vous les montrer. Et voici la grande poche, donc elle est vraiment très très grande, très très profonde, donc c'est super pratique. Là il y a une petite poche pareil, je trouve ça très très utile pour mettre son téléphone par exemple, ou pour mettre des bonbons, ou des masques, ou des petits objets qu'on veut pas perdre. Ou même ses bijoux, quand vous allez à l'équitation, il faut enlever les bijoux pour monter, ben, vous pouvez les mettre dans cette petite poche, donc c'est super pratique. Au fait, petite interruption dans la vidéo, je vous précise juste pourquoi je suis en tenue d'équitation, parce que je suis en tenue d'équitation alors que je suis chez moi. C'est parce qu'en fait, là bientôt, il y a Emma qui va venir pour manger chez moi. Et on va aller voir les juments cet après-midi. C'est un peu dommage parce qu'il fait pas très beau, mais bon, c'est pas grave. Et ce soir, j'ai un cours d'équitation, donc on est lundi. J'ai un cours d'équitation ce soir à 18h pour rattraper les deux cours que je n'ai pas eu, car les chevaux étaient malades, je vous l'avais déjà précisé dans une de mes vidéos. Du coup, avec ma meilleure amie, on va en cours ce soir de rattrapage et on a un stage. Juste après, je vous montre le dernier cadeau. Donc le voici, c'est un collier comme ça, de la marque Jess, je crois, si je me trompe pas. Donc c'est ma meilleure amie qui me l'a offert, et d'ailleurs je la remercie toujours encore, parce que vraiment je le trouve mais tellement beau. Et en plus ça du coup c'est un collier que j'ai en commun avec une amie. Les deux ensemble, ça fait vraiment trop trop joli. Je l'aime beaucoup, je vais vous montrer de plus près pour que vous le voyez, mais il est vraiment trop trop joli. Ma mère, qui s'y connaît beaucoup en bijoux, m'a dit c'est le plus beau collier avec un cheval dessus que j'ai jamais vu. Vraiment, elle m'a dit ça, j'étais là tant que ça. Enfin oui, je le trouve également très très beau, et ça m'a fait plaisir qu'elle me dise ça. Bref, je vais vous le montrer de plus près pour que vous le voyez. Je vous reprécise juste que du coup je vends mon tapis Fuganza Bordeaux. Je vous mettrai une photo sur l'écran pour vous rappeler de comment il est. Je vous l'avais déjà précisé dans une des vidéos, mais je n'avais aucune demande pour l'avoir. Pareil, j'ai proposé à mes amis de l'avoir, mais personne n'est intéressé. Donc si vous êtes intéressé par mon tapis Fuganza Bordeaux, contactez-moi par mon Instagram que je vous mettrai sur l'écran. Ou si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez me le dire en commentaire pour que je vous contacte. Enfin, voilà, vous pouvez me dire par tous les moyens que vous voulez. Mais en tout cas, prévenez-moi si vous voulez avoir le tapis. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez que j'améliore sur la chaîne. Et quel cadeau vous a le plus plu. Dites-moi en commentaire, voilà, quel cadeau vous a le plus plu. Qu'est-ce que vous trouvez le plus joli.
je parle très très vite. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.